Cette visite du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, est un pas significatif. Elle témoigne de l'engagement de la CEAC à soutenir le Tchad aux prochaines élections législatives, communales et provinciales. Cette entrevue entre le chef de la diplomatie tchadienne Abdelhamane Koulamallah et le président de la commission de la CEAC vise à renforcer les liens historiques et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Nous sommes mandatés par la conférence des chefs d'État de la CEAC aussi pour essayer de comprendre les contextes dans lesquels le Tchad prépare des élections législatives, provinciales et locales. Et les élections ont été convoquées. Le dépôt de candidature a été demandé par l'Agence nationale de gestion des élections. Et il semble qu'il y a certaines forces politiques qui sont contraires, qui demandent le report des élections. Et nous sommes là pour essayer de comprendre. L'intérêt central de la communauté, c'est d'éviter que le Tchad bascule encore dans la violence. Les deux entités s'engagent à poursuivre leur dialogue pour assurer la paix et la prospérité au pays.